Salut, c'est Fatal Ordi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le fichier Excel de Torna the Golden Country. Cette fois-ci nous allons voir l'onglet distance parfaite. La distance parfaite, pour rappel, c'est un terme que j'ai traduit, qu'en anglais ils appellent ça le gest range, et donc c'est la distance du personnage par rapport au monstre, et si vous vous trouvez à la bonne distance, vos dégâts sont augmentés tout simplement. Je vais pas re-rentrer dans les détails, j'ai déjà fait une vidéo sur le jeu principal. Là on parle de Torna et j'ai fait l'effort de changer la capture d'écran pour mettre vraiment l'interface de Torna, qui est quasiment pareil, hein. C'est juste que là ils ont fait des petits effets de mosaïque en plus qui sont très jolis. Et donc là simplement ça vous permet de voir les distances parfaites de chaque personnage de Torna, tout simplement, les infos sont les mêmes. Hein. Et donc vous avez toujours les filtres. Alors pour rappel, vous pouvez utiliser les filtres qui sont ici. Par contre, ceux qui sont au niveau des barres de couleurs ici, ils sont pas faits pour être utilisés. Hein. C'est juste que j'avais pas le choix. Mais ceux-là, il faut pas y toucher. Donc là, voilà, par exemple, pour Adam, ben, on voit que sa distance parfaite, elle se situe entre 4 et 8 mètres. Donc c'est bien ce qu'on voit là, hein, en jaune. Et donc, ça lui fait une distance parfaite d'une étendue de 4 mètres. Voilà. Et donc on peut trier soit par ordre alphabétique, ça c'est pas très intéressant, mais après on peut voir les personnages qui ont leur distance parfaite qui commencent à 0. Et après on peut aussi voir ceux qui ont l'étendue la plus grande. Et donc là ce qu'on remarque globalement, je pense que le plus intéressant c'est celui-là par rapport à la distance mine. Là on voit que tous ces personnages-là, leur distance parfaite s'active quand ils sont vraiment au corps à corps, quand ils collent le monstre. Tandis que les personnages qui ne commencent pas à 0, c'est un peu relou parce que eux, ça veut dire qu'ils doivent s'éloigner du monstre. Et voilà, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours pratique. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que le plus avantagé de tous, c'est Minotte, parce que lui, il est entre 0 et 8 mètres. Et voilà, il couvre toute l'étendue parmi tous les personnages de Torna réunis. Donc voilà, Minotte, on peut dire qu'il est quasiment en permanence à la distance parfaite. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et globalement, c'est à peu près tout. Après, ce qu'on verra plus tard quand on fera le calcul de dégâts, c'est que parfois, tu as des personnages qui peuvent faire leurs attaques en même temps. Je pense aux arts spéciaux. Ou alors vous savez que maintenant on a la notion de ligne d'attaque et de ligne de soutien, et par conséquent on a les notions d'art d'attaque et d'art de soutien. Et donc les personnages qui sont en ligne d'attaque, physiquement ils sont plus proches du monstre, donc en théorie c'est plus intéressant qu'ils aient une distance parfaite qui soit proche de 0, tandis que les personnages qui sont en ligne de soutien, eux ils sont plus éloignés du monstre, puisqu'ils se trouvent derrière le personnage en ligne d'attaque. Et donc eux, s'ils ont une distance parfaite qui est un peu plus éloignée, et bien finalement, peut-être qu'on peut trouver un bon compromis. Donc pour vous donner un exemple, si je prends tout simplement Laura et Jean, et bien on voit que Laura, elle a une distance parfaite qui est plutôt proche du corps à corps. Donc là, on va plutôt vouloir Laura en ligne d'attaque. Tandis que Jean, on voit que cette distance parfaite, elle est plutôt en arrière, à partir de 2 mètres jusqu'à 8 mètres. Donc lui, il a de la marge. Et donc, Laura, elle va plutôt être bonne en ligne d'attaque. Tandis que Jean, il va plutôt être bon. Alors quand je dis bon, c'est entre guillemets. Hein. Je veux dire, du point de vue de la distance parfaite, Jean aura plus de chances d'avoir sa distance parfaite en étant en ligne de soutien, parce qu'il sera en arrière, voilà. Et donc, si on se positionne bien, c'est-à-dire entre 3 et 4 mètres, cette zone-là, on voit que les deux personnages ont leur distance parfaite en même temps, et voilà, et du coup, les dégâts des deux personnages sont augmentés en même temps. Donc ça, c'est bien. Donc ça veut dire que les arts d'attaque de Laura sont augmentés, ça veut dire que les arts de soutien de Jean sont augmentés, et ça veut dire que les arts spéciaux des deux personnages qui sont lancés en même temps sont augmentés. Voilà, et
On peut essayer de faire la même comparaison. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est l'équipe Hugo. Parce que eux, vu que c'est trois tanks, en fait, ils commencent tous les trois à zéro. Donc, pour eux, il n'y a pas de prise de tête. Tu te mets vraiment au corps à corps contre le monstre. Tu es sûr d'avoir la distance parfaite. Donc, ça, c'est bien. Et après, par contre, l'équipe Adam, elle est un peu plus prise de tête. Parce que les personnages. Bon, il y a Minot, lui, ça va, il est tranquille. Par contre, Mitra et Adam, eux, ils sont plutôt éloignés. Et Adam, pour le coup, il est même très éloigné. Donc, voilà, ça peut être un peu contraignant parce que c'est pas intuitif de s'éloigner alors que tu as un personnage qui frappe au corps à corps, avec uniquement des attaques physiques. Voilà. Mais bon, voilà, c'est. Après. Je le rappelle, la distance parfaite, c'est juste un bonus de 20% sur la stat d'auto-attaque. Donc, c'est pas non plus le meilleur bonus du jeu. Donc, on peut en faire abstraction, mais c'est toujours bien de savoir que ça existe et c'est toujours bien de voir comment gérer ça par rapport aux différents personnages que l'on contrôle. Voilà, tout simplement. Et nous allons nous arrêter là. Pour cette vidéo, parce que ben, y a rien d'autre à dire, hein. C'est un onglet qui est extrêmement simple pour le coup. J'espère que ça vous a plu, et donc je vous dis salut et à la prochaine!